ça y est, j'ai reçu mes commandes. Regardez un peu ce soin clientèle personnalisé et toutes ces infos au détail près. Je vais enfin pouvoir vous parler du nouveau rituel beauté de mes toutous. On commence avec la partie samoyède, puisque ma Jenna est en pleine mue d'élevage après le départ de ses bibouchous. Et elle a plus un poil sur le caillou. Pour la petite vanne, ce matin, au travail, j'ai même une nouvelle cliente qui l'a regardée en mode « What the f***? » et qui a dit, l'air dubitative, « Elle est un peu petite pour être un berger blanc suisse, non ?» Tcho, la honte! Faut vraiment se faire aider, là. Bref, la vidéo va vous parler du rituel beauté pour favoriser une bonne repousse et pitié renourrir ce poil tout terne. On va commencer par la partie toilettage avec la, entre guillemets, puisque c'en est pas vraiment une, collab de Smile & Po qui utilise les produits Always Your Friends et je vais vous présenter ici ce rituel. Mais avant tout, on prend le temps de remercier Manon et Polly, nos amies éleveuses exposantes de beauté dans le monde de la race du Samoyed, pour leurs sages recommandations qui nous ont permis de tester ces produits. N'hésitez pas à rendre visite à Manon et à Polly, ainsi qu'à son nouveau Samoyed Mackenzie sur leur page Instagram Majestic Gold. Vous y retrouverez plein de codes bons plans d'achat. Et on remercie évidemment Laurette de la boutique Smile & Po pour nous avoir fait découvrir aussi ses produits sur le plan pratique. Laurette est d'ailleurs une exposante de beauté confirmée dans le monde des spitz allemands de taille naine. Donc, pour reprendre tout cela et accompagner ma petite rafale de son nom d'origine dans sa tempête de chute de poils, Smile & Po nous a conseillé de démarrer avec le shampoing Deep Cleaning. Pour cela, je vais devoir préparer un mélange à raison de 800 ml d'eau contre 5 pompes de shampoing en dissolution puisqu'il s'agit de faire des dissolutions. Ce shampoing purifie, enlève les résidus et la saleté et pour d'autres, enlève les odeurs. Il va notamment enlever les produits utilisés auparavant. Il va préparer toute la séquence qui va suivre puisqu'il nous aide à faire pénétrer les soins en y recourant comme premier shampoing. Il est d'ailleurs idéal si le chien est très sale. Laurette nous recommande de le laisser poser 3 minutes. Ensuite, nous allons partir sur un deuxième shampoing qui est celui-ci adressé au chiot. Toujours à raison de 800 ml d'eau pour 5 pompes de shampoing en dissolution. Et puisqu'il s'agit d'un shampoing pour chiot, eh bien sachez que c'est aussi un des shampoings les plus hydratants de la gamme. Il est idéal pour les peaux sensibles, de bébé ou de chien adulte. Et donc idéal pour le poil sec. En autre cas, il nous aidera aussi à favoriser la pousse. Je vais aussi devoir le laisser poser 3 minutes. Enfin, dernier mélange avec le conditionneur régénérant à raison de 800 ml d'eau contre cette fois-ci, non pas 5, mais 8 pompes de conditionneur. Je vais aussi ajouter un petit peu d'élixir divin avec une pipette entière dans cette mixture que je prépare. La mixture va me permettre, pour la partie conditionneur, d'hydrater, nourrir, réparer, démêler et favoriser la repousse durant cette mue diabolique. Ta-ta-ta, esprit vicieux s'abstenir. Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Et pour la partie élixir, eh bien, cela va également favoriser la repousse après une mue intense, mais aussi aider pour les problèmes de texture, de poils cassés et feutrés, ou tout simplement aider à réparer les poils juste abîmés. Rinçage abondant après le conditionneur, bien évidemment. Je vous avoue que c'est le week-end et j'ai carrément la flemme de prendre la route pour aller à notre salon de toilettage pro. Donc on s'est fait un bon vieux toilettage maison, home made. Regardez cette tête s'il vous plaît.
Allez, un petit bisou par-ci, un petit bisou par-là, ça va rendre le toilettage un peu moins gras pour Jenna. Cette comédienne, on vous dira bien sûr pas qu'il y a une friandise de l'autre côté de la caméra. Allez, on est parti après tous ces bons soins pour le pulseur qui est un peu l'outil de ouf quand tu fais du toilettage sur chien à poil long. C'est un peu la base. T'es so fresh, babe! En vrai, ce toilettage, je pense que ça fait autant de bien à sa peau et à ses poils qu'à mon âme. Je vous jure, ça me faisait trop mal au cœur de l'avoir comme ça sans accompagnement concret. Ça a été un pur bonheur pour moi de le faire celui-ci. Faut dire que la peau a vraiment, vraiment besoin d'hydratation. Allez, on est reparti. En complément de Smile and Po, j'ai démarré une cure, encore et toujours recommandée par Manon, par le biais du site PhytoVeto. Du coup, on a démarré en même temps avec une cure mensuelle qui inclut les produits Boost Beauté Pelage à raison de 10 ml par jour, je tiens vraiment, vraiment à remercier Manon et Polly, donc Majestic Gold sur Instagram pour ses précieux conseils qui nous valent un accompagnement au top du top pour cette muse spectaculaire après le départ des petits chiots de ma puce. J'étais vraiment et franchement inquiète sur de nombreux points, mais je me sens vraiment super, super bien accompagnée dans cette période avec les deux. Mais aussi de la levure de bière en complément avec 2 cuillères doseuses par jour. Et enfin des oméga 3 en poudre krill en 2 cuillères doseuses par jour également. Je rajoute tout cela à ma gamelle, avec pour la partie barre toujours un peu d'huile de saumon, puisque le saumon est connu pour ses vertus de soin pour la peau et le poil. Pour faire très court, je vais conclure rapidement et très simplement en vous informant déjà tout d'abord et en priorité que je n'ai aucun partenariat réel avec ces vendeurs et ces produits. Je vous partage donc mon expérience sans aucune obligation. Le résultat du premier passage est tout juste bluffant. Jenna semble se sentir comme en pyjama à la sortie de son toilettage. Je sais que c'est loin d'être le critère de base, mais les produits sentent très très bon. J'avais d'ailleurs peur de ne pas avoir assez de texture puisqu'il s'agit de dissolution. Donc par texture, j'entends un peu de mousse dans les mains, je veux dire, parce que j'y suis habituée. Mais tout est plutôt au rendez-vous et très adapté pour ma petite princesse. Les temps de pause ne sont pas trop longs et on voit pas vraiment passer le toilettage. À la sortie, le poil est comme sublimé, il est soyeux, la peau est douce et
tout est brillant. C'est franchement et sincèrement bluffant parce qu'on le remarque dès le premier passage, ce résultat. Du coup, forcément, c'est une expérience que je vais publier, vous vous en doutez bien, vu que je partage un peu tout avec vous, et je vous le recommande à 200%. D'ailleurs, je me réjouis de lire vos avis, qui sait si vous en avez déjà, ou pour après, afin que nous puissions échanger. Merci de nous avoir suivis pour cette vidéo au poil. N'hésitez pas à commenter, partagez vos avis ou qui sait, partagez ces bons conseils avec vos amis sur ce combo gagnant. Et on se retrouve tout bientôt dans une nouvelle vidéo sur le monde du chien en vous abonnant, puisqu'un pouce bleu et une cloche activée, c'est un soutien pour nous, en plus pour continuer.